Dépasser l'offre encore une fois de 14 fois. La sollicitation du marché a été de l'ordre de 7 millions de dinars et la réponse du marché a été de 97,5 millions de dinars. C'est encore une fois une réussite. Sans plus tarder, je vais céder la parole à monsieur le ministre d'Industrie. Pour la première présentation de cette société, tout d'abord, mon support au secteur qui a été challengé ces dernières années par l'ouverture de la concurrence, mais qui a fait ses preuves. Parce que quand je vois les derniers chiffres, il est plutôt en croissance de 5 ou 6%. Un secteur qui a fait ses preuves parce qu'il a su se renouveler, il a su se repositionner. On est sorti en fait du textile de masse, du textile de la couture en fait, à un textile plutôt vers des niches plutôt techniques. Je suis là aussi en appui à cette pépite que je considère comme une pépite. C'est la première entreprise du textile qui est cotée, mais aussi c'est une entreprise qui est promoteuse, parce que j'ai toujours adoré les entreprises qui se placent dans le défi technique, dans la technologie, dans la maîtrise de technologie. C'est pour financer le business plan qu'on a fait sur les 5 prochaines années. Le business plan AVFI, donc il contient 3 volets. Le volet des machines, le volet... on appelle ça industriel, le volet R&D. Donc R&D, c'est des laboratoires pour la recherche et le développement pour intégrer de la technologie sur nos produits. Et sur le volet commercial, à travers l'investissement sur des structures commerciales internationales, les produits sur le marché européen, africain et Moyen-Orient. C'est la deuxième introduction de la TBC à Frédéric-Savane qui a créé la surprise en faisant plus 100% en quelques séances de cotation. Peut-on s'attendre à une telle performance dans le Vanilla? Saïp, c'est simple. Bon, Younes Bad Exabyte, la capitalisation de mon compte qu'on a levé dans le cadre de l'OPF était d'environ 2 millions et demi. Donc, c'est facile d'avoir une telle forte de moi. Sur pour cette raison, oui, le petit montant qu'on a levé, elle a réalisé plus de 90%. Et c'est pas la TSI qui est à l'origine de cette forte augmentation. Au contraire, j'ai tout fait avec le volet des intermédiaires de la bourse pour que la valeur se stabilise sur l'intervalle à 8 dinars maximum, 8 dinars. Et ça reflète la réalité de l'entreprise. Bon, malheureusement, il y a eu une très forte demande de la part de nos confrères et ils étaient à l'origine d'une augmentation de 90% du cours pour l'examen. Pour New Body Line, ce n'est pas la même capitalisation. Et vu aussi la conjoncture actuelle qui est un peu difficile, j'imagine mal que la valeur tombe, elle était pas à 90%, mais je ne crois pas, vu la conjoncture. En fait, New Body Line n'a pas un seul grand client, elle a plusieurs clients, mais il y a un client qui est majoritaire. Un client majoritaire qui est entré dans la liste des clients New Body Line depuis 2009, donc c'est récemment. Mais il a trouvé un climat très propice dans la qualité, le sérieux et la quantité de production. Donc il a misé la plupart de ses commandes chez New Body Line. On a investi depuis 2009 jusqu'à 2012 sur les ateliers pour suivre sa demande. Aujourd'hui, sa demande est largement équilibrée par rapport à notre capacité de production. On n'a pas délaissé les autres clients, mais aujourd'hui, effectivement, et on va dire depuis 2012, New Body Line a intensifié les démarches commerciales. C'est un sujet malheureusement débattu ici. C'est la première fois dans l'histoire qu'on introduit deux sociétés en même temps, en période. Et c'était avec New Body Line.
الدنيا احنا البرومير انترميديير دينا في الاوبيراسيون ديال البرودكسيون ديال الدي اي وراح قطع علينا فالتيك ابار سا pendant la même période il y a eu trois augmentations de capital à Nice, carte de Simon, ici de montant très très important. On a forte période, en deux semaines, nous avons levé environ 200 millions de dinars et même plus. L'impact, je trouve l'impact sur l'indice humain qui a chuté d'environ 5% sur la période d'année. C'est normal, un peu de choses, mais bien, n'importe quel. Je suis contre, j'ai contacté le président du CNF, c'est pas normal, car ça doit être synchronisé dans le temps. Il s'accroît une opération, une autre opération. Bon, ma vie est on manque tous d'expérience. Inch'Allah, prochainement, avec la collaboration du CMF et les intermédiaires concernés par les opérations d'introduction, on doit s'organiser pour avoir des périodes de souscription. Elle est mécanique, je synchroniser. Inch'Allah, il compte un intervalle de temps entre deux. Dernière question concernant la première partie de l'exercice 2013, c'est-à-dire le premier trimestre, est-ce que la croissance était au rendez-vous ? Alors, sur le premier trimestre, c'est équivalent à l'année dernière. Sachant que l'année dernière, on a dépassé de loin nos objectifs. Donc cette année, c'est une démarche qui est à peu près la même. Les résultats sont à peu près sur le premier trimestre, à peu près la même. Cette évolution peut croître. À condition qu'on investisse plus sur les machines.